J'aimerais ce matin ouvrir un thème que je pense va bénir nos cœurs et va nous entraîner durant ce mois-ci à vivre des temps aussi particuliers. Je crois que l'Église est appelée à entrer aussi dans ce que Dieu veut pour elle. Et nous allons parler de ce temps où le Seigneur nous invite à venir devant sa face, même dans les moments difficiles. Le thème que je voudrais commencer à développer, c'est « À genoux, nous sommes des géants ». Amen. Si vous avez envie d'être grand, vous essayez de monter sur quelque chose qui va vous élever pour être encore plus grand. C'est pas vrai ? Pour être encore plus grand. Et c'est vrai que quelqu'un de grand peut être impressionnant. Mais voyez-vous, le chrétien, il est impressionnant quand il se met à genoux. Je suis plus petit là, hein ? Je suis plus petit. Et c'est vrai que quelquefois, on a l'impression, nous, que il faut que nous soyons forts, que nous soyons pleins d'audace, que nous soyons là, pleins de foi, et que on se dresse devant les obstacles, et que l'on fait face à l'adversité, et l'on dit, oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Et finalement, on voit rien. C'est pas vrai. Mais le chrétien, quand il est à genoux, et qu'il dit à Dieu, Seigneur, viens me secourir. Quand la créature de Dieu est à genoux et qu'elle dise à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis démuni, je suis affaibli, Seigneur, je suis fatigué. Il n'y a pas que les Marseillais qui disent qu'ils sont fatigués. Dans le Limousin, on est fatigué aussi. Et l'ennemi est celui qui vient pour essayer de nous appuyer encore plus sur la tête, pour nous rabaisser. Mais je découvre dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui se sont mis à genoux. Et quand ils se sont mis à genoux devant l'adversaire, ils étaient comme des géants. Amen, des géants dans la foi, des géants dans la force spirituelle. Parce que celui qui est en eux, il est plus fort que celui qui est contre eux. Amen. Amen. Alors je vais ouvrir un thème ce matin et que ce soit un encouragement et nous allons avoir tout au long de ce mois et dans les mois et les semaines à venir des temps aussi où nous allons pouvoir nous présenter devant Dieu et nous tenir dans sa présence parce que je crois aussi que l'on peut se mettre à genoux tout seul, mais on peut se mettre à genoux aussi avec l'Église tout entière et relever des défis, non seulement pour notre propre vie, parce que nous en avons besoin, par rapport à notre entourage que nous voulons gagner au Seigneur, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, pour la ville dans laquelle Dieu nous a établis, pour les projets, pour les défis que nous voulons relever, que nous avons à affronter. Eh bien, Dieu désire aussi nous appeler sur le plan collectif, sur le plan de la communion fraternelle, à passer du temps ensemble dans la prière. Et c'est vrai que l'adversaire essaie de nous occuper, de nous amuser quelquefois, de nous perturber aussi pour essayer de détourner notre attention de ces choses-là. Parce que l'adversaire, il a envie d'une chose, c'est que tu sois rien devant lui. Alors il essaiera toujours de t'entraîner dans des chemins qui vont te dérouter par rapport à ce que Dieu veut pour toi. Mais ce matin, nous voulons écouter non pas la voix de l'ennemi, non pas la voix de notre chair, mais nous voulons écouter la voix de notre Dieu. Alléluia. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un premier personnage, c'est Daniel. Daniel, cet homme que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, cet homme qui depuis son jeune âge a été déporté en Babylonie et il a été en captivité, il a vécu des choses atroces, des choses terribles. On ne sait pas ce qu'il a vécu sur le plan familial, on ne sait pas ce que ses parents ont subi, mais toujours est-il qu'il est tout seul dans la maison du roi et puis il vit des choses assez particulières dans un contexte assez difficile. Et puis la parole de Dieu nous dit que dans un moment précis de sa vie, eh bien, Dieu va lui accorder des révélations.
des révélations qui concernent la fin des temps. On a tous entendu parler dans la Bible, vous relirez dans le livre de Daniel, les révélations qu'il a eues concernant les 70 semaines. Ce qu'on appelle les 70 semaines, c'est des périodes dans le temps qui sont établies, et cette période qui s'établit, bien sûr, qui est symbolique de 70 semaines, eh bien, nous amène aussi jusqu'à la fin des temps. Et Daniel a des révélations particulières au moment de la crucifixion de Jésus, avec des précisions au niveau des dates. Eh bien, on arrive, semble-t-il, à la 69e semaine, et nous vivons ces temps de la fin qui représentent la dernière semaine. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même Daniel a la révélation non seulement de Jésus, de sa résurrection, il prophétise sur Jésus, mais il a des révélations aussi concernant ceux qui sont morts en Christ. Il parle de ce moment où les chrétiens, où les croyants vont ressusciter, et même dans les révélations qu'il a, il nous parle du ciel, il nous parle de la gloire de Dieu dans laquelle vont être introduits tous ceux qui sont sauvés. Et ce matin, on ne veut pas oublier cela. Nous ne sommes que des pèlerins, que des voyageurs sur cette terre. Et c'est vrai que le chrétien sur cette terre, il ne peut pas être pleinement heureux. On peut tout avoir, on peut avoir une bonne profession, on peut avoir un bon foyer, on peut avoir une belle maison, on peut avoir de l'argent, on peut être dans un certain confort matériel, mais dans le cœur du véritable chrétien, il lui manquera toujours quelque chose, et ce quelque chose, c'est le ciel vers lequel nous allons. Amen. Es-tu un chrétien insatisfait? Eh bien, gloire à Dieu. C'est parce que tu sais très bien que sur cette terre-là, tu n'es que de passage, et qu'un jour nos yeux s'ouvriront dans le ciel. Alléluia, dans la présence de Dieu. Et Daniel, dans ce temps particulier, dans ce temps où il a la révélation des choses d'en haut, et même où il a la révélation des choses d'en bas, eh bien la Bible nous dit que là, il est complètement épuisé. Et voyez-vous, quand j'ai médité là-dessus, je me suis dit, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on est complètement épuisé. Vous avez remarqué, quelquefois, on n'a pas envie d'écouter les infos. On n'a pas envie de mettre la télé pour voir les infos, pour ce qui se passe, pour voir ce qui se passe dans le monde. Parce que quand le journal télévisé est fini, vous n'avez plus envie de vivre. Vous avez le moral à zéro. Mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des menaces. Il y a des crises économiques sans précédent qui bousculent le monde, et on voit finalement toutes sortes de menaces. Et après, en fait, vous vous dites, bon, ben maintenant, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles. On va parler des partis politiques, et les partis politiques, ils disent que ça y est, c'est la misère, et que finalement, jamais on va s'en sortir, et qu'il faut voter pour eux parce que eux, c'est les messies de la terre, et que finalement, on va s'en sortir avec eux, et que les autres, ils n'ont su rien faire. Et finalement, même quelque part, on est blasé. J'imagine Daniel qui, lui, n'est pas devant un poste de télé, mais il est devant la révélation de Dieu. Il est fatigué, il est épuisé. Et là, on va lire ensemble ce qui est écrit. Laissez-moi vous lire ce texte qui paraît assez long, mais qui mérite notre attention ce matin. Je vous invite à suivre avec votre Bible. C'est bien que vous ayez votre Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 2. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » On imagine un petit peu le moral dans lequel il était. « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, les hommes qui étaient avec moi ne la virent point.
Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Et il dira, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. On imagine Daniel complètement épuisé, complètement défait. Je tombais là, la face contre terre. Voyez-vous, il est là comme quelqu'un qui ressent la douleur, qui ressent le poids. Il dira, je suis dans le deuil, je ne mangeais pas et même je ne moignis pas. Je ne sais pas si ça veut dire que même je ne faisais même plus ma toilette quotidienne, je ne me lavais plus. Et vous savez que c'est important, je ne suis pas expert, mais j'ai suffisamment fait de visites dans des hôpitaux psychiatriques, visité des gens qui passaient par des moments difficiles. Eh bien, on dit souvent que les gens, quand ils sont dans dans ces établissements, eh bien, et qu'ils commencent un traitement à cause de souffrance, à cause de douleur, eh bien, souvent ils sont en pyjama toute la journée. Ils ont du mal même à faire leur toilette. Et un des signes que la guérison est enclenchée, c'est que là ils commencent à faire leur toilette et ils commencent à s'habiller de nouveau. Ils quittent leur pyjama et ils commencent à mettre des habits. Ça veut dire que la guérison est enclenché. Et voyez-vous, on imagine Daniel ici complètement désespéré. Oh, peut-être je dis bien même, dans une sorte de déprime. Il était à cause de la douleur, de la douleur intérieure, il n'avait plus de force, il n'arrivait plus à se mouvoir, il n'arrivait plus à être confiant dans l'avenir. Et il avait des révélations concernant la fin des temps, il était désespéré. Et mes frères et sœurs, je sens que ce climat qui s'est abattu sur Daniel est un climat qui s'abat aussi sur notre génération, sur la génération des gens qui nous entourent, et on voit le taux de suicide qui grimpe, on voit les gens en dépression qui sont en train le nombre en train de grandir, des gens qui sont désespérés, des gens qui sont dans la détresse, et même le peuple de Dieu quelquefois est affecté, le peuple de Dieu ralentit, le peuple de Dieu n'a plus la vigueur pour servir, le peuple de Dieu n'a plus la vigueur pour témoigner, le peuple de Dieu n'a plus la vigueur pour venir prier, intercéder pour combattre le bon combat de la foi. Et là, la Bible dit, il est tombé la face contre terre. Mais je crois que c'était la meilleure des choses qu'il pouvait faire. Quand nous tombons à genoux devant Dieu, c'est là que Dieu commence à intervenir dans notre vie. Amen. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de tomber la face contre terre. C'est-à-dire nous courber devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, moi je ne peux rien, mais toi tu peux tout, Seigneur. Amen. Seigneur, toi tu peux tout ce matin. Seigneur, l'ennemi n'aura pas raison de moi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pendant ce moment d'épuisement total, eh bien, il voit Jésus comme l'a vu Jean dans l'Apocalypse. D'ailleurs, le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et là, il voit Jésus, il voit un personnage assez mystérieux. Son corps était de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Son bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il voit Jésus. Est-ce que ce matin, nous voyons Jésus? Est-ce que ce matin, nous voyons notre Seigneur qui n'est pas là seulement crucifié, mais qui est ressuscité, alléluia, et qui est assis sur son trône, et rien ne vient l'ébranler. C'est pas ce qui se passe dans le monde arabe qui va ébranler Dieu, c'est pas ce qui peut se passer dans le monde économique qui va courber le cœur de Dieu, c'est pas ce qui se passe dans certains pays du monde qui va inquiéter Dieu. Dieu est assis sur son trône et il est confiant. Et ce matin, tous ceux qui vont porter les yeux vers le trône de Dieu et qui vont avoir comme tout à nouveau la révélation de Jésus vont renouveler leur force. Laissez-moi vous laisser ce passage et voici la suite. Et voici, une main me toucha. Alléluia. Il est là, il nous donne sa révélation. Mais ce matin, il vient nous toucher aussi. Est-ce que ce matin, tu veux que le Seigneur vienne te toucher? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de dire, Seigneur, viens me toucher.
Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur. Viens me toucher dans ma famille. Seigneur, viens me toucher dans ma détresse. Viens me toucher dans mon corps. Et j'imagine Daniel là, peut-être même dans les larmes. Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Alléluia. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant, c'est vrai, encore fragile. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia, amen. Le chef du royaume de Perse, qui est l'image du diable, des démons, m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, un ange du ciel, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps. Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Il était debout, mais il était les yeux vers la terre. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment ?» Le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage, car il me parlait. Comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être fortifié par le Seigneur? Fortifié dans sa foi, fortifié dans le Saint-Esprit, fortifié dans le service, fortifié dans la joie, fortifié dans la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de la paix de Dieu dans notre cœur. De la paix de Dieu dans notre cœur. De la joie de Dieu. Et nous sentons, c'est vrai, comme Daniel, et je m'identifie, nous pouvons nous identifier à Daniel qui a toutes ces révélations, qui voit des choses, il voit la révélation d'être méchants, puissants, qui vont agir contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Jésus. Et là, il est épuisé. Peut-être même qu'au fond de lui, il pense que le peuple de Dieu va être introduit dans une sorte de défaite, alors que l'ennemi va se déchaîner. Et mes frères et sœurs, je crois que va venir un temps où il y aura une paix factice, une paix éphémère qui ne va pas durer. Les hommes vont dire, ça y est, quelqu'un est arrivé au pouvoir et quelqu'un maintenant est arrivé à orchestrer ce monde qui est en train de s'agiter, de se troubler, ça y est. Mais cette paix sera passagère, elle ne durera qu'un temps et à un moment, une ruine soudaine va s'abattre et les peuples vont commencer de nouveau à s'agiter et c'est là qu'il va y avoir comme une rébellion, comme une haine qui va s'abattre sur le peuple d'Israël et qui va s'abattre sur l'Église de Jésus dans le monde entier. Mais Daniel reçoit cette parole, courage, courage. Le Seigneur veut nous encourager ce matin à tenir bon, à ne pas désespérer, à t'appuyer sur le peuple de Dieu, sur le Seigneur lui-même, à te confier en lui et à croire qu'il est celui qui prend soin de toi. Daniel est celui qui a vu toutes ces choses et je dirais que nous les vivons. Nous sommes dans la génération qui va connaître l'Antéchrist qui est déjà implanté dans le monde. Nous sommes cette génération qui va connaître les temps difficiles et nous avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être encouragés. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps. Animé d'une grande colère, ça paraît surprenant, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Animé d'une grande colère, on sait que le chef de Perse a résisté pendant 21 jours, mais on sait que Daniel, pendant ces 21 jours, il a prié. Quelquefois, nous avons l'impression que le fait de passer du temps dans la présence de Dieu ne sert à rien. Combien ce matin ont entendu chuchoter à leurs oreilles l'ennemi, leur dire « c'est pas la peine, ça sert à rien ce que tu fais, arrête de prier, arrête de mettre du temps à part, arrête de méditer la parole, arrête de te confier en Dieu, c'est pas la peine, ça sert à rien, Dieu entend les autres mais Dieu t'entend pas ». Il n'y a pas de solution pour ta vie, il n'y a pas de solution pour ton église, il n'y a pas de solution pour Limoges, il n'y a pas de solution pour la France, ce n'est pas la peine. Et l'ennemi est là et il ressasse ces mêmes paroles. Mais le Seigneur est là pour nous encourager et pour nous dire non, ne baisse pas les bras. Le royaume de Perse a pu résister, l'ennemi a pu résister 21 jours. Mais Daniel a prié pendant 21 jours. Et je crois que ce qui nous manque ce matin, c'est de nous tenir devant Dieu et de retrouver cet élan où nous allons pouvoir nous mettre de nouveau dans la présence de Dieu. Peut-être faudrait-il réorganiser certaines choses dans notre vie pour repasser du temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur se rappelle ces moments où dans ta vie tu étais rempli de zèle et il n'y avait rien qui t'arrêtait. Ce n'était pas les kilomètres, ce n'était pas le temps, ce n'était pas le prix du carburant qui t'arrête de venir dans la présence de Dieu. Tout ça, c'est des excuses, c'est des prétextes. Et c'est ce qui est important, c'est le temps qu'on peut passer devant Dieu, dans sa présence, et de se dire, je vais me battre, je vais continuer le combat, et je vais m'appuyer sur la puissance de mon Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Timothée, dans l'épître à Timothée, sache que dans les derniers jours, ce texte n'apparaîtra pas parce que il n'y est pas. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On parlait vendredi soir de ce texte. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire exactement? Il y aura des temps difficiles. C'est vrai que c'est vite lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura des temps difficiles. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mais ce mot en grec, c'est le mot chapelos. Et ce mot chapelos n'apparaît que deux fois dans la Bible. Deux fois dans le Nouveau Testament. Deux fois. Ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il y aura des temps difficiles. Et la deuxième fois où ce texte apparaît, c'est quand il est parlé du possédé de Gadara. Les démons faisaient de lui un homme furieux. En fait, c'est le même mot chapelos qui apparaît. Et on comprend ici ce que ça veut dire. Ce mot chapelos veut dire il va y avoir des temps où il va y avoir de la fureur. Il va y avoir des temps où ça va être féroce, où il va y avoir comme une sauvagerie qui va s'abattre sur l'humanité. Ça va être des temps difficiles. Et c'est vrai que mes frères et sœurs, on préférerait avoir un message qui nous berce, un message qui vienne créer en nous comme une sorte de joie, mais on serait en dehors de la réalité. Et je crois que la parole de Dieu ne fait pas du chrétien quelqu'un de pusillanime, quelqu'un qui va se terrer, mais c'est quelqu'un de courageux qui va pouvoir voir les choses en face et qui est préparé par le Saint-Esprit. Des temps difficiles. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais une chose, c'est que je peux, comme Daniel, me mettre devant la face de mon Dieu et de dire à Jésus, Seigneur, viens me donner une nouvelle révélation de toi. Je veux, Seigneur, te toucher. Je veux t'atteindre. Je veux, Seigneur, un nouveau contact avec toi. Je veux vraiment, Seigneur, être à tes pieds. Parce que lorsque je tombe, Seigneur, devant ta face et que je tombe sur ma face, lorsque je me mets à genoux devant toi, c'est là où tu me communiques des forces nouvelles pour que je me relève et que je puisse faire face, que je puisse affronter, que je puisse résister, Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai, notre Dieu est puissant. Et ce matin, tu peux compter vraiment sur le Seigneur. Tu peux vraiment t'appuyer sur lui. Tu peux remettre ta vie entre ses mains. J'aimerais vous apporter quelques témoignages. Nous avons eu la joie ces jours-ci d'avoir quelques témoignages. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu permets, je rentre ton témoignage.
Tu es d'accord pour que je dise un petit peu ce que tu as expérimenté dernièrement ? Je n'ai pas pu te voir avant. Le frère est venu me voir il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, me faisant part un petit peu de ses soucis au niveau du travail. Et c'est vrai que c'est un fardeau aujourd'hui, le travail, nos besoins de tous les jours. Et le frère disait qu'il aimerait bien trouver un travail dans la ville de Limoges. Il travaille actuellement à Montluçon toutes les semaines, il fait la navette, il est au milieu de nous. On est content d'avoir pu le voir s'engager dans les eaux du baptême il y a quelques mois en arrière. Et c'était vraiment un fardeau, on a prié, on n'avait pas la solution, mais lui-même a fait sa part. On a passé du temps dans la prière, on a demandé à Dieu son secours et sa grâce. Et quelques temps après, Dieu a ouvert une porte à quelques petits kilomètres d'ici. Une place, laissez-moi vous dire, beaucoup mieux pour lui, qui correspond mieux à ce qu'il a comme formation, mais aussi, par la grâce de Dieu, à un salaire plus convenable encore. Alléluia, notre Dieu est puissant, mais il aime qu'on tombe devant sa face pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ton secours. Vous avez entendu il y a quelque temps aussi notre sœur Martine, Pascal, prier pour leur fils, la famille qui a intercédé pour Jonathan, qui est passé par des moments difficiles de santé. Vous connaissez ce cancer qui s'était déclenché aussi dans son corps. Et là, quelque temps après, il y a eu des examens qui ont été faits et les médecins ont découvert un nodule au niveau des poumons. Et vous savez que quand quelqu'un a déjà été affecté par un cancer et que les médecins vous disent on a trouvé un nodule sur les poumons, c'est inquiétant. Et on imagine la douleur, on imagine la pression, on imagine la tristesse dans le cœur des parents, mais c'est vrai que dans ce moment-là, il y a un moment-là où on dit « Seigneur, je ne peux plus, j'en peux plus ». Et on a entendu des prières qui étaient faites dans les larmes, en disant « Seigneur, il faut que tu interviennes, Seigneur, il faut que tu fasses un miracle ». Mais l'évidence était là, sur les radios, il y avait ce problème, il y avait ce nodule. Et les médecins ont dit, il faut intervenir, il faut faire un scanner. Et le scanner a été fait. Et sur le scanner, il n'y a plus rien du tout. Alléluia, il n'y a plus rien du tout. Et c'était tellement ennuyeux pour celui qui a fait le scanner, me disait Martine, qu'il n'a même pas voulu leur parler. On m'a dit, allez, notre Dieu est grand, alléluia. Notre Dieu est puissant et ce matin, tu peux compter sur lui. Tu peux venir devant sa face. Il est ce Dieu fidèle. Il est ce Dieu qui veut agir et qui veut intervenir dans ta vie. Et ce matin, tu peux venir avec tes besoins. Tu peux venir avec tes souffrances. Tu peux venir avec tes fardeaux. Le Seigneur va poser sa main. J'aimerais ce matin vous dire qu'à la fin du mois, on va vous passer quelques petites diapositives là. À la fin du mois, nous prévoyons un temps de prière, de jeûne. Et je crois que c'est important. C'est important, mes frères et sœurs. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de passer du temps dans la prière, c'est pas facile de passer du temps dans le jeûne, d'interrompre un moment de repas pour nous tenir dans la présence de Dieu. C'est sûr, nous avons tellement à faire, nous avons tellement de soucis, nous avons tellement de choses à faire, mais il y a un prix à payer. Quelqu'un disait, c'était le général Eisenhower qui disait « Il n'y a pas de victoire bon marché ». Est-ce que tu veux de la victoire dans ta vie ? Est-ce que tu veux des victoires dans ta vie ? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie ? Rien n'est bon marché. Si tu veux être béni, il faut que tu réalises que Jésus a payé. Et on sait quel prix il a payé. Mais il y a aussi notre part de venir devant sa face. Et ce matin, je voudrais vraiment vous encourager que ce ne soit pas quelque chose qu'on fasse habituellement, mais qu'on puisse renouveler et qu'on puisse faire de nouveau parce que nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Alors on prévoit à la fin du mois un temps de jeûne et prière. On va passer diapo suivante. Et le thème qui sera pour une vie chrétienne plus forte. Pour une vie chrétienne plus forte. Du lundi 28 mars au samedi 2 avril, chacun pourra peut-être faire selon sa possibilité. Peut-être certains pourront venir toute la semaine. Certains pourront passer plus de temps, venir le midi, venir le soir. Mais nous voulons vraiment venir dans sa présence pour déverser nos cœurs, comme l'a fait Daniel. Daniel est venu dans la présence de Dieu. Oh, c'est vrai, peut-être certains, et j'ai souvent entendu des chrétiens me dire « Pasteur, mais j'ai des difficultés à prier. » Ben, bienvenue.
n'es pas le seul, hein. Je crois que c'est facile de prier. Ouais, mais je ne sais pas quoi dire. Eh bien, écoute, si tu ne sais pas quoi dire, eh bien, tu vas apprendre à dire. Amen. C'est sûr qu'un enfant, il pourrait dire, bon, je n'ai pas envie de parler parce que c'est trop dur. Ben, à 35 ans, il faudrait toujours avoir eux, hein. Mais il y a un moment, il faut se jeter à l'eau et je crois que le Seigneur nous invite à passer du temps. Venons déverser nos cœurs dans sa présence. Je sais, mes frères et sœurs, qu'il y a des bien-aimés parmi nous. C'est dur pour vous. Vous êtes peinés parce qu'il y a des membres de votre famille qui ne marchent pas avec Dieu. Et peut-être même que, quelque part, il y a de la culpabilité dans ton cœur en disant « Je ne me suis pas bien comporté, c'est pour ça qu'ils ont quitté l'Église. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. » C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus au Seigneur. Alors on va arrêter ça aussi. Mais le Seigneur nous invite à tomber devant sa face et à lui dire, Seigneur, je veux compter sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux ton secours. Je veux ton aide. Peut-être certains, vous vivez des tensions, vous êtes inquiets. Mais ce matin, Dieu vous invite à venir. Peut-être dans votre cœur, il y a ce fardeau de l'œuvre de Dieu aussi. Le Seigneur vous invite à venir. Je crois que c'est la dernière diapo. Non, il y en a une autre. La prière peut tout changer. Et je voudrais terminer avec un dernier personnage. Un dernier personnage aussi qui est tombé dans la présence de Dieu, c'est Josué. Et nous continuerons dans les dimanches à venir. Nous parlerons d'autres personnages. Et même, j'ai trouvé un géant qui est une géante. C'est une femme, mais on en parlera les prochaines fois, qui a vécu aussi des choses merveilleuses. Parlons de Josué. Il est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Et Josué, tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a dans ta vie des murailles qui doivent tomber? Il y a des moments dans notre vie où il y a des murailles qui doivent tomber. Et ces murailles, ce n'est pas Dieu qui les a bâties. C'est peut-être même pas toi qui les a bâties, c'est l'ennemi qui a bâti ces murailles. C'est l'ennemi. C'est le peuple ennemi. Canaan, c'était la terre que Dieu avait promise. Et l'ennemi a bâti des murailles sur cette terre qui devait revenir au peuple d'Israël. Et l'ennemi bâtit des murailles encore sur les promesses de Dieu parce qu'il ne veut pas que tu t'en empares. Ah Seigneur, je voudrais tant être rempli du Saint-Esprit. Il y a une muraille devant toi. Tu n'arrives pas à avancer. Ah Seigneur, j'aimerais tellement aller plus loin avec toi. Il y a des murailles. Oh Seigneur, je voudrais, Seigneur, et excusez-moi ce matin, mais je pense que c'est un fardeau sur certains cœurs. J'aimerais que mes enfants, j'aimerais que ma femme, j'aimerais que mes parents, j'aimerais que mon mari, Seigneur, se tourne vers toi. Seigneur,
Dans ta parole, il y a des promesses aussi. Tu veux bénir ma famille. Tu le dis, Seigneur, dans ta parole. Et Seigneur, il y a une muraille. Une muraille. Oh Seigneur, là, tu vois dans ma famille ou dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est dans la souffrance et qui a besoin du secours de Dieu. Et je lui ai dit que j'allais prier pour elle. Je lui ai dit que Dieu allait faire une œuvre. Mais Seigneur, les semaines, les mois et les années passent, Seigneur, et il n'y a rien qui se passe. Seigneur, c'est comme une muraille qui est là en train de se dresser. Mais Seigneur, je veux prier pour que ta gloire se manifeste. Alléluia. Moi, ce que je découvre dans la parole de Dieu, c'est que ce qui a fait crouler les murailles de Jéricho, ce n'est pas le cri du peuple d'Israël. On est d'accord ? Mais j'imagine un petit peu si on rembobine le film et que l'on va à ce moment où Josué eh bien, sort du camp alors que le camp est endormi, la nuit est tombée, il n'y a plus de bruit et Josué là ne trouve pas le sommeil. J'imagine Josué qui sort de sa tente et qu'à un moment donné il monte sur un endroit élevé et que là il regarde la ville de Jéricho et ils se disent d'en haut, on n'y arrivera pas, mais comment on va faire ? Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vous arrive pas quelquefois de perdre le sommeil, d'être inquiet et de vous dire au fond de vous, et vous avez vu que la nuit tous les chats sont gris ? Vous savez ce que ça veut dire ? La nuit, tous les problèmes sont gros, sont énormes. Et on est là le soir, on se dit, on ne bouge pas trop parce qu'on ne veut pas réveiller notre conjoint. On est là, on est inquiet, on se dit, mais comment on va faire ? Comment on va intervenir dans cette situation-là ? Mes frères et sœurs, Josué a eu le secours de Dieu parce que Josué était un homme de Dieu, parce que c'était un homme qui passait du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien que demain tout ira bien. Mais ce qu'il y a, c'est que si aujourd'hui tout va bien, ne laisse pas la foi diminuer dans ta vie. Ne laisse pas Dieu être distancé parce que tu es négligent, parce que c'est fini, il n'y a plus de prière dans ta vie, il n'y a plus de lecture de la Bible, c'est fini dans ta vie, tu as exclu certaines choses, tu les as mises de côté, oh, tout va bien, tout va bien. Mais Josué avait passé du temps dans la présence de Dieu, il connaissait le Seigneur. Avant de prendre la relève, celle de Moïse, quand on cherchait Josué, il était dans la tente en train de prier. Il était dans la présence de Dieu. Il était là, il se préparait pour ce chemin qui allait s'ouvrir dans l'avenir. Et Dieu nous attend, même si aujourd'hui il n'y a rien dans ta vie, ou du moins pas grand-chose. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu ne sers pas grand-chose dans ta vie, Dieu te dit prépare-toi quand même. Parce que c'est le moment où je vais t'appeler, eh bien, c'est parce que j'aurais vu que tu auras été sérieux dans ma présence. Et Josué avait l'habitude, il savait qu'il était important pour lui d'aller chercher dans la présence de Dieu. Et là, l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Lui, il a cru que c'était un ennemi, il voulait le frapper. Et ensuite, il a eu la révélation que c'était l'ange de l'Éternel. Et là, il s'est prosterné. Il est tombé sur sa face. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite à tomber sur notre face. Et là, Josué va dire, mais qu'est-ce que tu as à me dire ? Tellement il est inquiet, tellement il est là, parce qu'il est dans la peur, il ne sait pas comment s'y prendre. Oui, d'accord, on est là, on va aller vers Jéricho, mais comment on va s'y prendre ? Comment est-ce qu'on va faire ? Comment Dieu va s'y prendre ? Ce n'est pas parce que Josué était un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que Josué avait passé du temps dans la présence de Dieu qu'il était en train de dormir et de se dire ben, « on verra bien ce qui va se passer ». Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes inquiets que vous n'êtes pas dans la foi. Si vous êtes inquiets, c'est parce que vous êtes normaux. Comme disait quelqu'un, j'ai eu besoin de l'entendre, si vous ne vous réveillez pas alors que vous avez dépassé les 50 ans, je ne dirais pas à ceux qui ont 50 ans et plus de lever la main. Mais quelqu'un disait, quand tu te lèves le matin, vers les 50 ans et après, si le matin, quand tu te lèves, tu as pas mal, c'est que tu es mort.
Donc si tu souffres, si tu es angoissé, si tu es dans les moments difficiles de ta vie, c'est parce que tu es vivant. Tu es un être humain. Le jour où tu n'es plus inquiet, c'est que tu es là-haut. Si un matin tu te réveilles et que tu dis « Ah, tout va bien aujourd'hui, je ne suis plus inquiet. » Bon, touche-toi parce que tu dois sûrement être dans le ciel. Tu dois être auprès du Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu es inquiet, ce n'est pas parce que tu es soucieux, ce n'est pas parce que tu es là en train de réfléchir et de te dire mais comment on va s'y prendre cette fois que tu n'es pas un bon chrétien. Oh. Vous savez, les gens, quelquefois, il n'y en a pas à Limoges. Hein, mais ne te fais pas de soucis, là, 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 là. Tout va bien, t'inquiète pas. Moi, je les crains un peu, ces gens-là. Je crois que... c'est pas que la tête qu'ils ont dans le ciel, c'est tout le reste. Mais bon, ils ont perdu un petit peu pied. Hein. Nous sommes des êtres humains. Si tu t'inquiètes, si tu as des soucis, c'est que tu es tout à fait normal. Mais Josué était là, pourtant un homme de Dieu, avec des promesses. Le Seigneur lui a parlé, je serai avec toi, tu auras du succès dans tes entreprises, ne t'inquiète pas, ne crains pas, tu verras, ça va marcher. Hein, mais il est inquiet. Mais son inquiétude, il vient la porter devant Dieu. Amen. Il vient la déverser devant le Seigneur. Il vient se prosterner dans sa présence. Et vous savez ce que le Seigneur va lui dire? Le Seigneur n'est pas là en train de lui dire « Bon, attends, viens ici, je vais te sortir mes notes. » Voilà, tiens, le plan de la victoire. Le Seigneur va lui dire « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Ça veut dire « Sanctifie-toi. » « Oh, mais Seigneur, je ne suis pas venu chercher ça. » « Oui, oui, mais d'abord, je vais m'occuper de toi. » Parce que quand Dieu veut faire passer la bénédiction au travers de nous, il faut qu'il opère un nettoyage dans notre vie. Tu veux que je bénisse? Tu veux que j'agisse? Tu veux que j'apporte la victoire? Alors je vais te bénir toi. Mes frères et sœurs, notre vie, elle ressemble à un jardin. Laisse ton jardin. Voyez, les jardins sont en train de fleurir en ce moment. Mais il n'y a pas que les fleurs qui poussent, il y a les mauvaises herbes aussi. Laisse ton cœur à l'abandon. Abandonne le contact que tu as avec Dieu. Laisse tomber la Bible. Laisse-la remplir de poussière sur ta table de chevet. Passe ton temps devant la télévision ou devant ton ordinateur ou devant tes plaisirs ou devant toutes sortes d'occupations et oublie Dieu. Tu vas voir les mauvaises herbes comme elles vont vite pousser dans ta vie. Tu vas voir ton caractère. Ah non, mais je crois que dans le Limousin, tout le monde a bon caractère. Mais quelquefois, ailleurs, il y a des gens qui voient leur caractère comme ça, qui surgit. Mais je ne sais pas, ça, je le faisais plus. Je me rappelle, quelqu'un est venu me voir désespéré en disant, « Pasteur, je me suis battu cette semaine. Il y a de la violence. C'est quelque chose que je n'avais plus. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu as peut-être perdu le contact avec Dieu. Et quelquefois, c'est pire ce qui se produit. Tu as sombré dans le péché. Tu es tombé dans le péché. Tu camoufles. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le Seigneur veut faire une œuvre de sanctification dans nos vies. Et ensuite, le Seigneur va lui donner le plan de la victoire. Alléluia. Viens rencontrer Dieu. Passe du temps dans sa présence. Prends la décision de te dire, je vais faire plier mon âme devant Dieu. Je vais faire plier mon cœur devant Dieu. Je vais venir dans sa présence et là je vais répandre mon cœur, comme le disait David, je vais répandre mon cœur comme de l'eau devant Dieu. Le Seigneur m'attend, il m'attend dans ma chambre, il m'attend dans un temps de jeûne et peut-être même mes frères et sœurs, peut-être certains, vous avez besoin déjà de commencer à vous tenir dans la présence de Dieu et peut-être à consacrer cette semaine ou les semaines à venir encore du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la présence de Dieu pour que des murailles s'écroulent. Si les murailles se sont écroulées, moi je le crois de tout mon cœur, c'est pas parce qu'ils ont fait cette fois le tour de la ville de Jéricho, mais c'est parce que Josué s'est prosterné dans la présence de Dieu. Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est parce qu'il s'est tenu dans la présence de Dieu que Dieu lui a révélé le plan pour que les murailles s'écroulent. Le plan de la foi,
le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ton service, le plan de Dieu pour ce que tu veux accomplir pour la gloire de Dieu. Il y a des choses donc que tu as besoin de voir dans ta vie se révéler. La Bible dit que les murailles de Jéricho tombèrent. Laissez-moi terminer, et je vais inviter les musiciens, laissez-moi terminer avec ce que ce mot « tomber » veut dire. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Les murailles de Jéricho tombèrent. Dans le texte original, ce mot pourrait être traduit par les murailles se sont prosternées, elles sont tombées, elles se sont jetées à terre, elles ont été jetées à terre pour s'écrouler, elles ont été frappées, elles ont été emparées, elles sont descendues d'un lieu élevé à un lieu plus bas, elles sont descendues d'une position de debout vers une position de prosternation, elles sont tombées au sol, elles ont été abattues, elles se sont prosternées, elles ont été prostrées, elles ont été vaincues par la terreur, elles sont tombées subitement mortes, elles ont été démembrées comme un corps qui subit un délabrement, elles sont tombées en ruine et elles ont perdu leur autorité, ne plus avoir de force, perdre son pouvoir par la mort. Ce mot tomber, voilà ce qu'il veut dire, mes frères et sœurs. Et je crois que ce matin, vous avez envie, il y a comme dans notre cœur ce désir de voir que l'ennemi va tomber à terre comme mort, parce que dans cette situation, il ne peut plus agir, il ne peut plus faire son œuvre, l'ennemi va lâcher. Je crois que Dieu nous invite, mes frères et sœurs, à aller dans le camp de l'ennemi comme des guerriers courageux. Et en disant, cette âme-là, elle ne t'appartient pas. Je la prends avec moi par la foi et je la ramène dans la maison de Dieu. Je crois que ce problème-là, il va être réglé parce que l'ennemi va reculer. Je crois dans la présence de Dieu que les murailles s'écroulent. Et ce problème n'est plus un problème. Et Dieu nous invite à venir dans sa présence. Il y a des choses dans ta vie qui n'auront pas de solution tant que tu ne viendras pas dans sa présence et te tenir devant lui en disant, Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à Daniel, le jour où tu as commencé à t'humilier. Il y a quelquefois dans nos vies, et ce matin je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais je vais parler d'une manière générale, dans nos vies quelquefois, il y a de l'orgueil qui s'installe. Il y a quelquefois dans nos vies de la résistance qui s'installe. Parce qu'on se dit non, il ne faut pas. Et tu es au fond de toi, tu es conscient que tu as tort. Et Dieu te dit, tu as tort dans cette situation-là. J'attends comme Daniel que tu viennes t'humilier devant moi. Parce que si tu veux être un géant, il faut que tu tombes à genoux. Si tu veux être un géant devant Dieu et surtout devant l'ennemi, il faut que tu tombes à mes pieds et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, tu m'attends là. Et mes frères et sœurs, il y a des moments souvent dans ma vie où je me suis tenu devant le Seigneur et j'ai pleuré devant sa face. Et ce n'est pas très glorieux pour moi de vous dire ça ce matin, mais je le dis parce que c'est la vérité. Et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, cette situation, ce défi, ce problème-là, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes agir, Seigneur. Et je te dis, Seigneur, à tes pieds là, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta touche. Je suis un petit peu comme Daniel. Je suis un petit peu comme Josué. Seigneur, je suis dans le doute. Parce que, Seigneur, tout ce que je vois autour de moi m'affecte. Seigneur, je suis dans l'inquiétude parce qu'il y a des murailles qui se dressent devant moi, comme cette ville de Jéricho. Mais Seigneur, tu as la solution. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est qu'après avoir pleuré de tristesse devant Dieu, j'ai tressailli de joie. Quand le Seigneur m'a dit, tu vois là,
j'ai agi. Je t'ai jamais laissé. Je t'ai jamais abandonné. Et je continuerai à être fidèle parce que tu es fidèle. Quand je t'ai relevé là, eh bien j'ai agi, tu as vu de cette manière-là. Et là je bénis Dieu et je dis Seigneur, c'est vrai, tu es glorieux, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Et si tu as eu ce temps où tu t'es tenu dans sa présence, dans les larmes, il y aura ce temps où tu te lèveras, tu seras sur tes pieds et tu tressailleras d'allégresse parce que tu as expérimenté la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, le peuple de Dieu ne doit pas s'affaiblir. Il faut que sa foi soit vivante. Il faut que sa vie chrétienne soit marquée par des œuvres, des miracles. Que dans ta vie, tu puisses dire « Là, j'ai vu la main de Dieu. » Alléluia. Et peut-être que ça fait des semaines, des mois et peut-être des années, tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tu vas revenir. Mais il y a un prix à payer. Et il faut que tu le payes. Il faut que tu le payes. Tu n'es pas venu au spectacle ce matin. Tu n'es pas venu à un endroit où tu es venu à te débarrasser de ton obligation religieuse. Non, tu es dans la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu attend que tu renoues avec lui. On va fermer nos yeux quelques instants. Et ce matin, peut-être, il y a des frères et sœurs, des amis qui ont envie de dire, Seigneur, je me suis laissé distancer. Je me suis affaibli dans ma vie chrétienne. Seigneur, je me suis ramolli. Seigneur, je ne prie plus. Je ne lis plus la Bible. Je vais à l'église, Seigneur, quelquefois. À reculons, Seigneur. Je viens dans ta maison, Seigneur, un peu forcé. Seigneur, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment faire. Je veux m'en sortir, Seigneur. Je veux que ça change en moi. Mais je n'y arrive pas, Seigneur. Ce matin, c'est le moment où tu peux prendre une décision et Dieu va te bénir. Dieu va te secourir. Peut-être certains, vous êtes là comme dans l'inquiétude, à cause du chômage, à cause de la maladie, à cause des problèmes. Et vous êtes comme Daniel, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous n'y arrivez plus, vous avez tout essayé, il y a des menaces sur votre famille. Vous êtes comme dans l'inquiétude et vous avez peur et vous dites, on n'est qu'au début du mois, je ne sais pas comment je vais finir le mois, je ne sais pas comment je vais finir l'année. Ma vie, j'ai l'impression qu'elle est fichue. Non, elle n'est pas fichue. Ce matin, tu vas tomber dans la présence de Dieu et tu vas dire, je vais me battre. Mais je vais me battre avec des armes spirituelles. Je vais commencer à prier. Je vais moins m'agiter. Peut-être laisser tomber le téléphone pendant quelques instants. Peut-être laisser tomber le courrier. Je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais tomber devant sa face et dire, Seigneur, viens me secourir. Donne-moi du courage. Peut-être tu dis, il y a des murailles qui se sont dressées. Et le diable me déclare, c'est fini dans cette affaire-là. Il n'y aura plus rien à faire. Parce que le diable l'a mis dans sa prison. Mais notre Dieu est celui qui ouvre les portes des prisons. Notre Dieu est celui qui fait tomber les murailles. Et ce matin, quand tu vas tomber devant sa face, non seulement toi tu vas tomber devant la face de Dieu, mais les murailles vont tomber aussi. Alléluia. Et peut-être tu as besoin de t'humilier aussi devant lui. Et que le blocage, c'est ça. Le Seigneur te dit, tu as besoin de t'humilier devant moi. Et je vais te bénir.